évidemment que ce soit d'abord Tunis. Et un parcours dont ma famille m'a expliqué qu'il s'agit de ce que nous avons fait, qu'on a envie de vous faire partager, et de la manière dont on a découvert les rues de Tunis. Une précision sur la notion de rue juive, car vous n'ignorez pas que dans certains pays, rue juive signifie ghetto, signifie Judenstraße, et ainsi de suite. C'est-à-dire une rue spécifiquement juive, une rue dans laquelle il n'y aurait que les juifs. Ça n'est pas une réalité tunisienne. Il y a bien, et nous allons en dire en quelques mots, un quartier juif à Tunis, la fameuse Hara. Vous excusez la prononciation, vous l'avez bien compris, aucune origine tunisienne de mon côté, toute la Tunisie est seule. Donc, vous m'excuserez pour les prononciations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, premièrement, c'est que ce n'était pas un quartier, sauf à un moment dans l'histoire, un quartier fermé. C'était pas un ghetto. Et ma femme a déjà insisté sur cette dimension qui est tout à fait extraordinaire d'intégration. Nous montrerons justement des rues dans lesquelles il y avait des synagogues, des magasins juifs, mais elles n'étaient jamais exclusivement juives. Jamais fermées comme étant, si vous voulez. Ce n'est pas le Mela marocain, ça n'est pas le ghetto, ce n'est pas la rue des juifs en Allemagne ou dans les pays d'Europe centrale. On est vraiment dans une configuration assez originale, sauf, je vous le dis bien, aux origines, où il y a peut-être quand même, par certains moments, un quartier fermé, et dont on peut trouver quelques traces à Tunis. Nous allons insister sur les traces de mémoire, sur tout ce que l'on peut trouver lorsqu'on est en Tunisie, de la mémoire juive des Juifs de Tunisie. Parce que, bien évidemment, nous pourrions très facilement reconstituer, avec des photos anciennes, des cartes postales, des photos de famille même, la Hara des années 1930, avant les destructions. Et la première que je vous montre, elle est intéressante, parce que nous sommes donc dans une toute petite rue de la Médina, de Tunis, et je vous montre la plaque d'une impasse, du nom d'une impasse qu'on n'arrive presque plus à lire, mais dont le nom est déjà un faux grave. Impasse Jema El Grana. Or, nous ne sommes pas dans la Hara, nous ne sommes pas dans le Souk El Grana, parce que vous savez bien évidemment qu'il y aura un Souk El Grana. Nous sommes en fait tout près de la Porte de France, côté Médina, dans le secteur qui autrefois était le quartier France, c'est-à-dire là où s'installaient les étrangers. Et les Granats, lorsqu'ils arrivent, sont des étrangers, ce sont des Italiens. Donc ils s'installent dans ce quartier-là. Et ils ont un oratoire. Oratoire qui a fonctionné jusqu'au XXe siècle. Alors qu'ils arrivent très certainement au XVIe siècle. Et cette petite impasse, rien du tout, dans laquelle bien sûr l'oratoire a disparu, le plus fond de l'impasse, eh bien cette petite impasse existe toujours et elle porte toujours ce nom. Tout ça assez extraordinaire, c'est que les noms des rues soit aussi, bien évidemment, une trace très importante de la prise en jeu. Ensuite, vous aurez tous noté, bien évidemment, l'usage du mot « Jema », c'est-à-dire le mot qui désigne la mosquée et qui peut aussi désigner la synagogue. Avec raison, dans la tradition. Alors, le mot, je crois que le mot judéo-arabe est courant, c'est « slat », qui est aussi un mot d'ailleurs de racine arabe, judéo-arabe, donc, qui désigne la synagogue, l'oratoire. Bien évidemment, en fait, le français, on a entendu parler de synagogue, mais le mot Jema est évidemment intéressant, parce que quand maintenant on parle avec les Tunisiens actuels, quand on cherchait, on leur disait, est-ce que il n'y avait pas une synagogue par là? C'était vraiment l'enquête de terrain, vous savez, on est arrivé, vous n'aurez pas eu une synagogue par là. Par les recherches, quoi qu'à le temps. Pas de plan, pas de liste des synagogues, on a vu la constituer. Alors très souvent, ils ne prenaient pas de synagogue. Mais, en parlant évidemment un peu le judéo-arabe, mais au bout d'un moment, ce qui se passait, c'est que quand ils comprenaient, ils me disaient Jema Yud. Donc ça, c'était extraordinaire. La mosquée des Juifs, moi, j'adorais. Hein. Parce que finalement, c'était devenu un code qu'on a vite adopté, comme ça, on était en terrain connu. Voilà, alors je vous présente rapidement ce quartier. On va ouvrir quand même quelques rues de la Hara pour
vous montrer l'état actuel. Car les traces ou la présence, je dirais encore, de monuments ou de bâtiments juifs, de patrimoine juif, lorsqu'il n'avait pas été encore restauré, ni d'ailleurs cette rue de la Médina. Donc au dernier moment, on a quand même voulu montrer, pour ne pas avoir l'air de dénoncer quelque chose qui n'était plus une réalité. Et donc là, vous avez la Médina qui est en pleine restauration, avec justement ce bâtiment complètement restauré. Mais je trouve que la photo ancienne avait un certain charme. Vous avez la première Rava, ensuite le quartier juif s'est étendu à ce secteur jusque-là, la Carthagène, puis vous savez, la sortie de la Médina pour s'installer surtout dans le quartier autour du cimetière, l'ancien cimetière juif, donc à Mudon, mais aussi ici Fiable, aussi un secteur d'une très grande densité de population juive, mais jamais uniquement juive. Et enfin, l'extension se produira, vous savez, après, jusque le quartier Lafayette. Thank you.